D'accord, mon frère. Je vais te poser la question numéro 5. Que penses-tu des élections présidentielles? Ben, moi, je pense que les musulmans doivent s'abstenir formellement de voter pour qui que ce soit. Pour la simple bonne raison, à partir du moment où tu votes pour quelqu'un, tu es co-auteur de ce qu'il va commettre, comme loi, comme injustice, comme corruption, comme mal, etc. Donc, au nom d'un soi-disant mieux pour les musulmans, on irait voter pour un mécréant et se rendre complice avec lui de ce qu'il va commettre. Moi, je considère que tout simplement que la question ne se pose même pas. D'ailleurs, au début, si on se rappelle bien, ils ont voté gauche, les musulmans, ils ont appelé à voter la gauche. Mais après, ils ont été insultés par la gauche à travers des propos contre l'islam. Donc après, ils ont appelé à voter Sarkozy, qui était au Bourget. Mais malheureusement, Sarkozy les a insultés à leur tour en tenant des propos sur les barbies, enfin un certain nombre de choses. Donc ils ont tourné les talons et ils appellent maintenant à voter Bayrou, parce que Bayrou serait un chrétien. Faut surtout pas, surtout pas, surtout pas s'associer à ça. Surtout pas. Parce qu'à partir du moment où tu votes pour quelqu'un, tu te rends co-auteur de ce qu'il va faire. Co-auteur. Donc moi, dans mes considérations-là, j'appelle les musulmans et les musulmanes à ne pas s'associer à une situation qui n'est pas la leur, à un régime qui n'est pas le leur, à un système qui n'est pas le leur, à des lois qui ne sont pas les leurs, à une morale qui n'est pas la leur, il faut surtout pas. Surtout pas, parce que si demain, déjà que c'est déjà il y a beaucoup de dégâts à travers ce qu'ils font à l'encontre des musulmans en France et ailleurs. Donc si ils font pire, ça va être. Il faut vraiment avoir le déclic, quoi. Il faut surtout pas rentrer là-dedans. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Depuis quand un musulman il vote pour un. C'est depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? C'est pas notre système à nous. C'est pas le nôtre. C'est pas notre système, on n'a rien à voir dans ce système-là. Ils sont toujours, Allah dans le Coran, tu te dis, ils sont toujours contre les musulmans, toujours, de gauche, de droite, du milieu, ils sont tous, et ça a été prouvé. Ça a été prouvé, et ça se répétera constamment. Donc ceux qui appellent à ça, ce sont les mêmes qui appellent à l'intégration, ce sont les mêmes qui appellent à l'apostasie, ce sont les mêmes qui appellent à ce qu'on sait, et il faut s'en éloigner le plus loin possible. Il faut s'éloigner le plus loin possible. Plus loin tu t'éloigneras d'eux, mieux ta foi se portera. On n'a rien à voir avec ça. Que Dieu nous préserve de ça.